l'actualité également, le permis de conduire dématérialisé sera généralisé dès aujourd'hui. Il a été expérimenté dans plusieurs départements et il concerne désormais tous les automobilistes français. On le trouvera dans l'application France Identité, application qui accueillera bientôt la carte grise et l'attestation d'assurance numérique. Les précisions avec Florence Griffon. C'est un geste qui ne sera plus nécessaire d'ici peu. Le temps que vous dématérialisiez votre permis de conduire et qu'il s'affiche sur votre portable. Une perspective qui réjouit ou inquiète les automobilistes. C'est pas plus mal, on aura moins de papier dans le portefeuille, tout ça. Ça sera plus direct. Bah personnellement, mon vieux permis, j'ai tellement eu du mal à l'avoir que je tiens à le conserver tel quel. Je suppose que ça va encore nécessiter un nouveau mot de passe. Et je trouve qu'à force, on finit par s'y perdre, quoi. Pour obtenir votre permis numérique, il faut d'abord que vous disposiez de la nouvelle carte d'identité, avec la puce au dos. Ensuite, il faudra télécharger l'application France Identité et faire la demande. Ce permis téléchargé sera disponible hors connexion Internet, en cas de contrôle dans une zone blanche. Il aura la même valeur que le permis en papier. Il ne le remplacera pas, il sera facultatif. Toutes les données seront stockées sur des serveurs ultra sécurisés. Mais pour autant, y a-t-il un risque de piratage ? Le risque zéro n'existe pas, bien entendu. On le voit tous les jours, les fuites de données, les attaques sur les administrations, les particuliers, ainsi que les entreprises montrent que même si on est bien sécurisé, les cybercriminels ont souvent une inventivité et un coup d'avance pour pouvoir pénétrer dans nos réseaux. À terme, l'application France Identité devrait héberger aussi la carte grise et l'attestation d'assurance dématérialisée.